Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre servante moyen, bonne fête de football à tous les Ivoiriens et prix de paix. Amen. C'est la grande fête aujourd'hui. Il faut que la Côte d'Ivoire soit vainqueur de cette Coupe d'Afrique. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire joue avec le Nigeria. Mais que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire gagne. Voilà, que tous se dirigent, vers le stade de Mbembe. Voilà, j'y serai. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Je ne vais pas parler de football dommage. Je vais parler de ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence. Voilà, nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5. Nous allons lire du verset 16 au verset 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alléluia. Que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyons joyeux. Alléluia. Faisons la paix avec tout le monde. Si nous sommes des vrais croyants, des gens qui croient en Jésus-Christ, bien sûr. Alléluia. Remercie Dieu en toutes choses. Dieu donne la victoire à qui veut. Que son nom soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Célébrons l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est bon. Notre Dieu est réel. Sa bonté dure éternellement. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus nous a donné sa gloire. Conservons cette gloire. Soyons à ses pieds. Prions. Le Seigneur, prenez, lisez la Bible. Méditez la Bible. Alléluia. Fais ce que tu veux avec la Bible, tout est dedans. Il y a le cinéma dedans, si tu veux voir. Il y a des films de guerre dedans, il y a les amoureux, il y a pour les amoureux, il y a tout dedans. Mon frère, ma soeur en Christ, parcours un peu la Bible. Alléluia. Raconte les merveilles du Seigneur Jésus-Christ aux gens. Alléluia. Et soyez reconnaissants en toutes choses. Alléluia. Que sa parole soit nos vies, que sa parole soit dans nos cœurs. Que la paix soit en toi et communique la paix à ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la paix. Alléluia. Nous formons un seul corps. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Et soyons reconnaissants. Justement, je vais vous parler de la reconnaissance. Et persévérons dans la prière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux parler de reconnaissance. Ce que le Seigneur m'a révélé des choses cette nuit. Voilà, c'est un long métrage. Mais je vais faire la vidéo en deux ou trois, peut-être, par la grâce de Dieu. Voilà. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Le Seigneur s'est donné en sacrifice pour nous. Il nous a donné la vie. Voilà. Le Seigneur va me ravir en esprit. Je vais prendre la voix de Yamsoukro. En partant, il y avait deux anges qui étaient avec moi. J'ai dit, on n'a même pas fait 5 minutes, on était déjà à Yamsoukro, d'Abidjan à Yamsoukro. Vous convenez avec moi que c'est voilà, comme c'est une vision, une révélation, c'est l'esprit. Voilà, donc en un clin d'œil, tu peux être à Yamsoukro. Et quand nous sommes arrivés à Yamsoukro, il y avait des choses qui sont passées. Voilà. Avant qu'on arrive à Yamsoukro, il y avait des voix, j'entendais des voix. C'est la voix que j'entendais, c'était la voix du président Félix Houphouët-Boigny. Mais qui parlait. Mais chrétien, ne dites pas que maman, tu as esprit de mort. Je n'ai pas esprit de mort.
Je n'ai pas l'esprit de mort. Il faut que vous soyez clair. Il faut que je sois clair avec vous. Je n'ai pas l'esprit de mort. C'est Dieu qui se révèle. Je ne suis pas aussi sectaire. Amen. Je suis assise au pied de Jésus. Je suis dans le Seigneur. Je suis baptisée par immersion. Et le Saint-Esprit même a pris le contrôle de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire que je suis assise dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, ne me dites pas que j'ai esprit de mort. Je sais qu'un jour, nous allons tous partir, mais c'est pas maintenant. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur t'offre un cœur joyeux, que le Seigneur t'offre un cœur joyeux, un cœur d'amour, un cœur de distinction. Et quand nous sommes arrivés à Yamoussoukro, comme je le disais, j'entendais la voix du président Faure-Boigny, mais il y avait une cérémonie. La cérémonie se passait à la cathédrale. C'est cathédrale ou bien basilique, à la basilique de Yamoussoukro. Et la basilique était tellement grande.